il a guéri hier, il est aussi capable de vous guérir aujourd'hui. Bonjour et merci de nous joindre sur les antennes de la radio-télévision La Voix de l'Aigle et surtout pour le compte de cette émission Docteur Jésus, programme de visibilité de l'accomplissement de la puissance des dieux au travers du ministère du révérend Baruch Kasongo Léonard. Ce que Dieu a fait hier pour toi, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je ne peux pas guérir quelqu'un. C'est le docteur Jésus qui guérit. Nous allons vous proposer quelques témoignages forts. Là, nous vous signalons que dans cette émission, mon frère, ma soeur, je pense que vous nous suivez ici à Kinshasa et partout à travers le monde entier. Si vous avez la foi, comme je vous dis, ayez toujours l'habitude d'activer votre foi. Je vais d'abord commencer par le premier témoignage de notre soeur, Joy Voot. Elle habite au Canada, plus précisément à Montréal. Et cette soeur avait participé à la campagne tenue à Dallas, Texas, aux États-Unis, en juin 2017. Elle souffrait en fait de perte de sang pendant 14 ans. Suivez d'abord l'homme de Dieu, le révérend Baruch Kasongo, dans son rapport, et la sœur sur place, ici, va aussi intervenir. Tokoti kakaka pasteur Baruti et mon côté na rapport, mais toko benga sœur, toko zalanay en direct na émission Oyo, pour aussi avoir son témoignage. Elle-même va témoigner. Comment Bikeli la maladie naé pendant 14 ans, perte de sang, mais c'est la mort. Suivez l'homme de Dieu qui donne témoignage de cette sœur Joy Voutou. A tout à l'heure. La fille de Frère Voutou, elle s'appelle Joy, me dit la joie, avait une perte de sang de 12 ans. Non, 14 ans. Et le sang coulait. Elle m'a expliqué. J'ai prié plusieurs fois. Et la fille de Voutou n'était pas guérie. Pour le médecin, on ne devait pas faire quoi qui pouvait lui créer des problèmes. On lui a dit ça, il faut qu'on donne telle piqûre, ça peut lui créer des problèmes. Et leur avait dit, laissez, nous avons un frère qui a le don de guérison. Si vous me donnez ces piqûres, donc je n'aurai plus d'enfants. Vous me détruisez tous les organes féminins. Elle souffrait, elle maigrissait. Mais la prière que le frère Baruch avait faite là-bas à Dallas m'a guéri complètement. Et quand je disais toucher, toucher les parties malades, elle a touché en bas. Et j'ai chassé tous les démons. Elle était guérie. Là, c'est Jésus qui l'a guérie, pas moi. Et voilà, vous avez suivi l'homme de Dieu. Nous allons appeler la sœur. Je dis bien, appelle Oyo, Ezaya Katakokombete, Ezaya Sonabatate, Ezaya Kulungongote. Appelle Oyo, Ezaya, Montréal, au Canada. La sœur habite Montréal. Alors, tokozoye par téléphone. Bonjour, sœur Joy Voutou. Oui, allô, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Je signale que vous êtes à Montréal, au Canada. Vous aviez participé à la campagne tenue par le révérend Baruch Kasongo en juin 2017, c'est-à-dire l'année dernière, au Texas, à Dallas, aux États-Unis. Et là, vous étiez guéri de la perte des sang qui vous a fait souffrir pendant 14 ans. Si vous pouvez témoigner dans cette émission d'Orthèse Jésus sur la RTVA. Oui, donc le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri de la perte de sang. Oui. Là-bas, la campagne du docteur Jésus à Dallas. Oui, oui. Donc j'avais souffert pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Oui, pendant 14 ans. C'était très difficile. Alors j'avais un cycle menstruel qui était vraiment très irrégulier. C'était désordonné. Ça pouvait sortir pendant un mois. Ça s'arrête. Tout comme ça pouvait faire 3 mois, voire 6 mois. Oui. Donc je ne savais pas combien de temps vraiment ça pouvait prendre. Oui. Alors j'étais souvent fatiguée, faible, j'ai manqué d'énergie. Oui. Donc c'était vraiment très difficile. Alors j'avais vu le médecin ont fait des examens, ils ont fait des tests.
mais ils ne trouvaient pas la cause, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Alors ils m'ont proposé plusieurs médicaments, plusieurs traitements, oui. Mais sauf que si je prends ces médicaments pendant longtemps, ils avaient des conséquences, oui, sur ma santé à la longue. Alors je n'ai pas voulu prendre ces médicaments-là. Oui. Alors je continuais dans la prière. Le pasteur Barouti, à chaque fois, en tout cas qu'il venait ici au Canada, à Montréal, il ne manquait pas de prier pour moi, oui, mais le Seigneur Jésus restait silencieux. Oui. Alors l'année passée, en 2017, au début, c'était très difficile vraiment pour moi. On a même failli me transfuser le sang, mais Dieu a fait grâce que je ne suis pas arrivée jusqu'à ce niveau. Oui. Alors c'est là que j'avais entendu parler de la campagne que le pasteur avait allait organiser à Dallas, oui, oui, en juin. Oui. Alors Dieu a créé un chemin, j'ai pu assister à cette campagne, c'était un samedi et un dimanche, oui, oui, deux jours. Oui. Alors vraiment, je suis partie, le pasteur, comme il le fait à chaque campagne, hein, oui, donc il a prié pour les malades du haut de la chair, oui, il ne m'avait même pas imposé le main. Mm-hmm. Donc vraiment à ma grande surprise, pendant que je m'attendais le mois, oui, alors c'est là que le Seigneur Jésus a opéré ces grands miracles que je m'attendais vraiment. En tout cas, j'étais très surprise. J'étais très contente, donc jusqu'à aujourd'hui, ça va faire bientôt une année, oui, oui, que Dieu a opéré ce miracle. Et vous étiez retournée à l'hôpital pour consulter le médecin? En fait, je ne suis même pas allée voir le médecin encore une fois, parce que lui, il ne savait, donc il avait, je ne suis pas retournée en tout cas. Parce que déjà, je voyais la guérison, oui, mais si mon souhait sont retournés à la normale, oui, donc je ne voyais pas vraiment pourquoi je vais aller le voir. Si c'était pour aller le voir, c'est pour peut-être le témoigner, quoi. Oui. Pour le dire que voilà, c'est Dieu à tout. C'est ça. Sœur Joy Mvutu, oui, nous avons suivi votre témoignage en français. Nous voulons vous écouter aussi à Lingala. Si vous pouvez faire juste un bref aperçu de tout ce que vous avez témoigné en français. Bande de copier à Lingala, va comprendre. Oui, donc vraiment, on a souffert mingi. 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 Oui. Donc, bah, comme il y a un peu de temps, il y a causer maladie en perte de sang, mais si le lot bah, va quitter. Alors, là, bah, pour causer un lance comme un médicament, au Botswana, soit en haut, vraiment à la longue, ça n'allait pas être bien pour ma santé. Mm-hmm. Alors, la boue est causée un médicament à Ngamoko. Je me suis dit non, je vais compter simplement sur l'intervention de Dieu. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il va continuer au bon de la pasteur d'Ao, sur la situation d'Ao. À chaque fois qu'il est venu ici à Montréal, ça fait longtemps que le pasteur bien ici au Canada, donc à l'époque la situation allait très bien. Oui. Alors avant nous bon de la caméra, nous avons avant nous ça là, après on a mis la caméra, avant nous sur les lots. Alors l'année passée, sur quoi on accompagne à Dallas, oui, pour partir à organiser qui sont les docteurs. En juin 2017. Moi en juin, plus exactement juin 2017. C'est comme ça que nous avons tout accumulé qui nous est là pour nanga, on a qui nous assiste la campagne en nous. Alors, pendant que le pasteur a dit que je malade, à bénir, me délai, je fait des actions dans la salle, le pasteur a trouvé à ma beau côté. Alors, dans la salle, qui la place toi là. Donc, à un moment, vraiment, je suis là, je suis là, donc, le pasteur a bondi, il y a plus d'autres pour moi. Mais là, je suis là, dans la campagne, on a nagé, donc, il a zongi, il a oblique. Donc, vraiment, dans la salle, il y a une mienne, à travers le ministère, il y a merci, sœur Joy. Vous tout depuis Montréal, na Canada. Oui, bon oui, en tout cas, tout ce que je peux dire comme mot, c'est que en tout cas, nous avons mis à Fambola, pasteur Nabiso Barouti, ma casse. Vraiment, je soutiens le ministère de pasteur Barouti à 1000%. Tout ça derrière, parce que dont nous avons mis la casse, mais en tout cas, ils ont mis à jeter. Nous avons mis au salle partout. Donc, quand on a la Kinshasa, mais à ta histoire, au Canada, tout le monde a nous a utilisé dans les patients d'Aos. Donc, à la moment où on a un donc il faut tout soutenir dans tous les points. Ils ont la physique, ils ont la côté matériel, spirituel, au bon de la peau, en tout cas, il faut tout soutenir par rapport à la vie. On a besoin de utiliser pour la vie. Donc, vraiment, nous avons pas mon patient Barouti, à pas mon frère Nangan Nelson. Merci. En tout cas. Mais je signale que vous êtes aussi corps médical. Exactement, oui, 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 je suis infirmière. Merci, sœur Joy Mvutu. Ah, je signale que vous êtes à Montréal, au Canada.
Vous venez de donner votre témoignage et je crois bien que ce témoignage va augmenter la foi de beaucoup de gens. Merci. Nous passons maintenant au deuxième témoignage. Toti kalika kana kati émission d'Orte Jésus, mais tozaka kana Montréal. L'homme de Dieu en provenance des États-Unis et du Canada donne son rapport dans son assemblée, Baruti Tabernacle. Alors, il a commencé par les témoignages. Alors, toi, un deuxième témoignage. Quand je suis arrivé, le frère Voutou, c'est extraordinaire. Une femme de Repentigny, banlieue de Montréal, guérit des problèmes d'insuffisance cardiaque durant sa grossesse. Et elle a fait un accouchement normal. Acclamez le Seigneur Jésus. Et voilà, vous avez suivi le rapport, juste l'extrait, côté kakaba témoignage, il y a référent Baouti Kassongo. Mais Tolingé Tozouapé, Sœur Yango Yemoko, Sœur Maryse, elle a beaucoup souffert de son cœur. Elle souffrait bien sûr de l'insuffisance cardiaque. Et son cœur battait à 25%. Ok, le battement du cœur, c'est à 50%. Voilà, rythme normal. Et médecine moderne a conseillé à la sœur, bah ça l'opération. Il y a motema. Mais c'est risquant. Elle a demandé le numéro du révérend Baruti Kassongo à partir à Montréal. Bah, fait ce numéro à pasteur. Et elle a appelé les pasteurs au téléphone. À Mekid, première, deuxième azu pasteur. Troisième azu pasteur. Et pasteur Baruti a bondé au téléphone pour dire que le Dieu du révérend Baruti Kassongo n'est pas statique. Le Dieu du révérend Baruti Kassongo est dynamique. L'homme de Dieu a prié à distance. La sœur habite Montréal. Et l'homme de Dieu n'était pas à Montréal. On l'a appelé au téléphone pour qu'il prie pour cette sœur. La sœur Maryse. Motema na singa ba pasola yango ba sala opération. Et moi je pense, tant que motanda ko bela na poto, et surtout aux États-Unis, na Canada, solution qu'on commande avec la médecine moderne. Mais la médecine moderne est pas souti. Mais le Dieu du possible, le Dieu du référent Baruti Kassongo, ou a mis qui saka sa condition, ou a créé un organe, il a eu, puisque même tu as créé un zoto. Et voilà ce qu'il a fait pour cette sœur. On va l'appeler. Depuis Montréal. Allô, que Dieu vous bénisse, ma sœur Maryse. Oui, que Dieu vous bénisse, c'est la sœur Maryse. Oui, je signale que vous passez en direct dans D'Orte Jésus, une émission consacrée sur le témoignage. Oui, en fait, après l'accouchement, oui. C'était en juin 2017, oui. Et un mois après l'accouchement, c'est-à-dire un mois et demi, j'ai accouché en juin, c'était en août. Oui. En fait, on a décidé de voyager, de se déplacer un peu toute la famille. Et dès mon retour, j'ai commencé à mal me sentir, etc. Et je suis tombée malade, en fait, je ne respirais pas bien, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas bien dormir. Et je suis allée voir mon médecin de famille, il m'a dit, va tout de suite à l'hôpital parce que tu fais de l'insuffisance cardiaque. Oui. Je lui ai dit, mais j'ai un bébé, comment je vais faire? Elle dit, en tout cas, cherche, dis à ton mari de garder le bébé. Oui. Tu fais une insuffisance cardiaque, tu te rends à l'hôpital vite. Oh là. Et arrivé là-bas, on a gardé à l'hôpital pendant une semaine. Et c'était vraiment difficile. Oui. Et je suis resté là-bas pendant une semaine. À ma sortie de l'hôpital, je suis un peu bref, hein, à ma sortie de l'hôpital, c'était vraiment lent. Oui. À ma sortie de l'hôpital, parce que le médecin m'avait dit que si ça n'allait pas, il allait m'opérer. Hein. Oui. Il allait me mettre des fils au niveau du cœur. Oui. Pour, en fait, pour que le cœur marche bien. Oui. Parce que mon cœur battait à 25%. Oh là là. Parce que le cœur normal bat à 50%. Oui. Oui. Et là, je suis revenu à la maison, je commençais à penser, à prier, à me penser. Je me dis, Seigneur, vraiment, j'ai des petits-enfants, ils ne me laissent pas comme ça, etc. Vous avez combien d'enfants? Tout de suite, mon mari, pardon, j'ai quatre enfants. Okay. J'ai quatre enfants. J'ai un bébé de 10 mois. Oui. Et là, mon mari a dit, bon, on va essayer de contacter Frère Mvoutou. Oui.
si il peut nous donner le numéro du pasteur, même à Kim, etc. Pasteur Barouti, oui. Pour qu'il prie pour toi. Et il a contacté le frère Florian. Et il nous a donné, il nous a dit, le pasteur en ce moment est aux États-Unis. Oui. Donc il quitte cette semaine aux États-Unis. Oui. Je dis, oh mon Dieu, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il dit, bon, je vais essayer de l'appeler. J'ai appelé une à deux fois, je ne l'ai pas eu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as permis que tu ne fasses pas des choses au hasard, parce que tout est conduit par toi. Oui. Donc, fait que je puisse avoir dans ces avis, je l'ai manqué à deux reprises. Oui. Mais cette fois-ci, pour la troisième fois, fait que je puisse l'avoir. Et dès que j'ai appelé pour la troisième fois, je l'ai eu. Il a prié pour moi. Oui. Je vous assure, mais ça, dès qu'il a prié pour moi, j'ai senti, à la fin de la prière, j'ai dit Amen. Mmh. J'ai raccroché le téléphone. Mmh. À la fin de la prière, j'ai senti. C'est comme si on enlevait un habit, hein. Vous savez, comme si on enlevait un habit sur vous. C'est aussi quelque chose qui était en moi. Ah, mais... Et je me suis bien sentie, etc. Je suis allée, j'avais un rendez-vous de routine pour mon bébé. Oui. Dès que le pédiatre m'a vu, il m'a dit, oh, en tout cas, la fois dernière, quand vous étiez ici, vous étiez vraiment pas bien. Mais là, je vous vois avec une bonne mine. Mm-hmm. Je lui ai dit, docteur, en tout cas, je suis guérie. Amen. Dieu m'a guéri. Amen. Et la fois que je n'ai pas encore les résultats, mais Dieu m'a guéri. Amen. Ah, il m'a dit, en tout cas, c'est une bonne chose. Vous allez, parce que je partais à chaque mois, à chaque semaine, je partais à l'hôpital pour des contrôles. Oui. Et vous allez, le 1er décembre, vous allez faire l'échographie. Oui. Quand je suis rentré dans la salle, on a vérifié le cœur. Le médecin m'a dit, mon Dieu, tu es parti, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. Je lui ai dit oui. J'avais déjà senti ça, que tout était parti. Oui. Et moi, j'étais rentrée. Et quand je suis reparti maintenant pour que mon médecin qui me suit me donne maintenant les résultats, oui. Dès que je suis arrivée à la salle, oui. L'infirmière m'a dit, mais je vous cherchais. Oui. J'ai une très bonne nouvelle. Oui. Mais ce autre cardiaque est parti, on n'a plus. Après, le médecin est venu me dire, vraiment, madame, votre cœur bat à 50%. Donc, on a arrêté les médicaments, etc. Tous les médicaments qu'on vous donnait. Vous ne viendrez plus ici à chaque mois pour les suivis. Mm-hmm. Mais je vais vous voir dans quelques mois pour des contrôles, etc. Comment fonctionne votre cœur encore. J'ai dit, docteur, je suis guéri. Donc, tout le monde était vraiment dans l'étonnement là-bas à l'hôpital. Oui, donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup, sœur Maryse. Depuis Montréal, au Canada. Merci pour votre témoignage. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Nous prenons encore ces derniers témoignages. Elle s'appelle sœur Kali Gaston. Elle habite au Canada, un peu plus loin de la ville de Montréal. Cette sœur a souffert. Nzambazobi Kisekaka. Azala Awana RDC. Elle vivait en Banzangou, où se trouve toute sa famille. Et l'homme de Dieu avait tenu une campagne d'évangélisation en Banzangou. Sœur Azoko Tanga, Mazaki n'a problème à Makolo. La sœur avait des difficultés même pour marcher. Et Bazo Kole Baninganaï, elle avait des problèmes. Jour, il y a collation, il y a institut supérieur na Bango. Et c'était le même jour le pasteur Barouti tenait la campagne d'évangélisation en Banzangou. L'homme de Dieu a prié à distance. Cette sœur, je vous dis, était guérie à Mbanzangou. Dieu a fait grâce, la sœur est partie au Canada. Kuna sœur à Bali pendant des abotakate. Alobingaga il fallait mon pasteur Baout. Et voilà, le révérend Baout Kassongo a prié pour le couple Gaston. Na hôtel Eskazalaki. Dieu a fait quelque chose. Bazui Mwana. Tozwana l'homme de Dieu dans son rapport. Et puis, Tokozon a porté Bengali sous serre. Un couple n'avait pas d'enfant depuis leur mariage. Et ce couple-là m'avait suivi à l'hôtel. J'ai dit, l'année qui viendra, tu me montreras l'enfant. J'ai prié. Et la femme est venue témoigner. Elle était venue avec l'enfant cette fois-ci. Et Nazar? L'homme de Dieu a prié en mai 2017, après des mois.
sœur Ayoki et Loko. C'est-à-dire, c'est le début de la grossesse. Et cette sœur va témoigner pour vous. Mais tout bien gagné, puisque dans le but de voyager à Bino, à Montréal. Oui, allô, sœur Kali Gaston, je signale que vous habitez un peu plus loin de la ville de Montréal au Canada. Vous passez en direct de Dortel Jésus et là nous vous donnons l'opportunité de témoigner tout ce que Dieu a fait dans votre vie et surtout avec la prière de l'homme de Dieu, le révérend Baotka Songo, qui avait prié pour vous et Dieu a fait quelque chose. Nous voulons vous écouter. Merci beaucoup pour la parole. La lingi ko témoigner mon pied pour la Oyonzambe à Sali pour la vie vraiment Angela ya Mosali na ye pasteur Baruti Kasongo. Premièrement, je vais reculer un peu. Ngai tant na zalaki na pays na RDC, j'avais beaucoup souffert vraiment. Ma belle qui m'a colo pendant 2 ans et demi. Baninga au total à Bango Baebi, histoire Nangaï très bien, beaucoup de pasteurs vraiment Baebi, et quand Nangaï Wana, Babondela, la Kota Hôpital, tous les examens, ça là, vraiment, la tira qu'on soit solution. Wana, Nazalaki, na ISP, année, première année, Nangaï académique, na ISP. Na kata kuto classe parce que nazalaki na science commerciale ane na ngaya liboso nde na zwa maladi wana ba examinenga ibazomo na maladi te na za bonne santé menga na zo souffrir ma kolomoyena tambola ezati jusqu'à ce que du jour oyo ba mininga bazo kole bango le jour nga na zo bika na nzela ya pasteur Baruti Kasongo ayaka campagne na mbanza ngungu vraiment je vais avec tous les détails pour aider ma sœur là va faire oyo ba kolanda témoignage oyo amwa vraiment que non Nzambe a sala ezate que histoire ezate que non va copier ngo soit va fabriquer non eza vraiment réalité ma sœur ayaka campagne na racheter la église a passé Moutombo, son associé, passé Samu à Koufa. Ayawana, en tout cas, dans ma bonne Liponangaï, sur les champs du risque miracle, Ngaï Nazoa, en posant à Maboko, à Bonde Lingaï, on a salé qui presque 2 ans de plus. Na tambo na katika ka juste na ndako ba bimisanga na zonga. Mais le même jour ngai na pe na tambo li ko uta tsona nkulu bo ba ebi vile na mbanda mo musuki ba nani temwanya yo ba ko comprendre bien. Ti na ndako na vile sika ndako na mise na tambo la sa problème. Banga wana en tout cas ti lelo oyo na zo ko sa témoignage oyo na ministre na zo so na mbanda mo te na za Canada na Saint Hyacinthe na tikala so so ko kanini ngai ni douleur ni kwa na bika libela ti lelo oko mangai na Canada vraiment j'avais besoin que le Seigneur m'aide donne des enfants parce que ça fait 2 ans qu'on s'est marié. Maintenant, c'est rappelé, mais le pasteur Baruti avait prié pour moi, on a la bika. Comment on a quoi atteindre le pasteur Baruti? Na sali na internet, na luki numéro na ye, na jui na téléphoné, malheureusement, azala koto et pas na biso, na ki pasteur associé na ye na kishasa, a ebi singa maman, mais pasteur Baruti azala kuna ou yo zonuka. On a osé comment Dieu est bon. La vie, un message quand on internet que non, pasteur Baruti est à Montréal. Non, mais ça tombe bien pour vivre au sein de ça. Les approches, vraiment, je veux faire tout dans le monde de pasteur Baruti. Donc, le monde de pasteur Baruti a imposé un bail à un bon délit pour la bise. 2 mois après, on a eu la zone RDC. C'est au Ticali. 2 mois après, on a eu la concevoir. Il est banné, Nini. Dans
pourquoi ce souvenir sous Nabane ou Abondela qui peut vous concevoir? J'allais qu'il mois de mai 2017. Dépassé deux mois seulement, on a eu naïe qu'on concevoir. Parce que vraiment, on a expliqué, on a dit, ça fait déjà deux fois, on a tout ça là-bas, fausse couche. Même si on a besoin de la base, on a dit non, madame, vous n'avez ni malade, ni FSO, ni quoi, ni mouvali, vous êtes en bonne santé. Mais si on fait tout ça, bateau, c'est dit en quoi la fausse couche, voilà. Parce que la route a signé Bissot, a imposé ma boko, a l'obé parole, a déclaré à moi et pas une andambé. Et un colombé sa bambou, bana. Et c'était dans la simplicité, la hauteur, quand ça s'en a qui. Et donc, quand on a besoin de zongi, on a besoin de deux mois après, on va la concevoir. Et là, il y a eu tout le passé, la route a yé, la ngaï na zemi, la kesso sur la Montréal. Na legi se sou témoignage na na zemi nga na ndeye na zo témoigner bo ye bébé na nga ye yo anali na mbeto na ye bébé ya mwasi na zana bébé na nga yi na maboko ye yo aza awa donc ndambe aza monene vraiment pasteur Baruti aza musali na ndambe na koko bido wa yengi sabandiko wa bakulanda bo bazaba lo ba n'importe quoi bastika parce que c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas lui, c'est le Seigneur qui l'utilise. Maman, j'amène à Zosala, puissamment dans Zélanaye. Oui, à Zosala, et Zokam, vous savez, la réalité. Bébé, à Maye, Yotosanaye, grâce divine, comme on a eu Yotosanaye. Aboti, moi, n'a eu problème. C'est-à-dire, si Kramon est banni Kokita. Elle a encore appelé le révérend Baout Kassongo. Si Kraya, moi, n'a pas eu Zongi normal. Donc, on a témoignage, n'a eu. Et je crois bien, le révérend Baout Kassongo, à quoi bon de la sous pour n'aille pour la pomme d'attention. Dans la zone qui coûte dans l'hôpital, la bosse, la benga, la zone, dans les États-Unis, la benga, la bonne, la zone qui, la diminution, la chiffre, ce benga est passé à tout ça, ou à l'hôpital, la bosse, la zone, vraiment la diminution, la chiffre, la bonne, les mêmes jours, quand on a fait la bonne, là, oh, c'est que ma fille va la mort. Ah, là c'est bien en tout cas. Si c'est comme ça, tous ont libéré Bino, Nobi. Et la sœur m'a encore appelé pour me dire, frère, na boti moana. Pasteur Baout a bondeli moana yeyo. Bomoni moana. Yeyo na profil, bomoni denga mimi moana na ye. N'a eu problème et attention. Tension comme il commentait. Mais en direct, l'émission d'Orte Jésus à radio, tu dis que il faut t'aider, sœur Oyo. Nous avons une habitude à Kobi qui sait chaque fois. Et nous avons une sœur Kali Gaston, tu es l'homme de Dieu. En direct na RTVA, na radio. To senge to vino pasteur Baruti. La sœur Oyo Bondelaka. Nzambaza ko accorder kaka guérison a Bengili sous puisque comme na première attention depuis Aboti. Moi na azana deux semaines. Et maman comme ko Jésus pour première attention pourquoi? Faboko la mona na malamu. Alors, Nzambe na biso comme il est toujours juste. Il est le plus grand médecin, le docteur par excellence. Pour ça la quelque chose pour la sœur depuis Montréal. Pasteur Baruti à Bondeli, na téléphone kaka, pour na sœur Oyo. Il y a ça à Montréal. Il y a tout Oyo, pasteur Baout à Bondeli, à Kinshasa. Et voilà comment Dieu fait grâce. Sœur Abiki, na tension, à l'objet, a commis normal. Problème est à te pression maquila, et commis normal. Tout l'an témoignage, et puis nous allons clôturer cette émission. Oui, sœur Kali Gaston, nous vous signalons que vous revenez encore toujours pour le compte de cette émission d'Orte Jésus. Vous nous avez parlé de votre problème de tension et l'homme de Dieu avait prié en direct et Dieu a résolu le problème. Si vous pouvez témoigner. Ok, na tension, vraiment, il m'a dit qu'il y a 227. Oui. Mais la fin qui
pasteur Baruja Bondela na Angela Petaka ya RTV ya bateki ngai andirek ndi abonde lipo na ngai simako bondela le lendemain totali tension na ndako awa parce que toza na machine wana ya kotalela yango na ndako nde tomonaki ekiti directement de 227 à 128 nde tomonaki ekiti nde wana. Tobengio depuis Montréal précisément wapi? Tobengai na Montréal précisément na Saint-Hyacinthe na Canada. Ndambe ase abiki singai na zana kondima opesa ngai bonne santé pona kokola mwana ngai. Merci beaucoup, Nzamba Pambula. Amen, Pambula. Et voilà, je pense que vous avez suivi les témoignages de Montréal, tout ce que Dieu a fait au travers du ministère du révérend Baruti Kasongo Léonard. Et moi, je vous demande d'utiliser votre foi. L'homme de Dieu a les dons. Et quand le don et la foi se rencontrent, c'est la production de miracles. Et c'est la guérison de toutes vos maladies. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission d'Orthez Jésus. Je pense, vous tous qui nous suivez de partout à travers la ville-province de Kinshasa, vous êtes du côté de Brazzaville et partout à travers le monde entier, surtout vous qui nous suivez à travers l'Internet. Que Dieu vous bénisse. Je ne clôturerai pas cette émission sans pour autant passer à toute mon équipe. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.